Raconte-moi, c'était comment ton reportage en Norvège? Très bien. Tout s'est bien passé? Oui, sans problème. Oh, tu sais, j'ai l'habitude. Eh ben, j'espère que vous ne m'avez pas pris froid, hein. Parce qu'à chaque fois que vous allez dans ces pays du Nord, moi, je m'inquiète. Enfin, génie, c'est le plein été en ce moment, là-bas. Il faisait au moins 25 degrés à Oslo. Ça doit être fascinant de parcourir le monde comme ça. Oui, oh. Dis-moi, Antoine, est-ce que les Norvégiens sont aussi beaux qu'on le dit? Oh, tu sais, Marthe, je n'ai pas vraiment regardé les Norvégiens. Non, t'as plutôt regardé les Norvégiennes, hein? Enfin, non. Ce sont les ressources du pays qui m'intéressent. Oh. Les ressources économiques. Oh. Parce que tu sais que j'étais là-bas pour travailler. Oui, oui, c'est dommage. Bonjour tout le monde. Bonjour mademoiselle Lola. Ben, qu'est-ce qui vous arrive? Rien, je n'ai rien. Ben alors pourquoi vous avez mis des lunettes? Rien. Ah bon. Bonjour ma petite Lola. Bonjour papa. Bonjour ma chérie. Dis-moi, qu'est-ce que tu tiens à la main là? Oh, rien. Dis-moi papa, tu es sûr que tu as été sage en Norvège? Sage? oui, oui, oui. Pourquoi? Eh ben alors, pourquoi est-ce que tu as emmené ça? Je l'ai trouvé en vide dans tes valises hier soir. Qu'est-ce que c'est? Rien, passe-moi ça, Lola. Passe-moi. Un souvenir de Norvège? Exactement. Enfin, beaucoup de bons souvenirs, j'espère. Lola. Oh, oh, des capotes anglaises. Non, non, norvégien. Du préservatif, maintenant. Oui, bon, ben, pourquoi est-ce que c'est toi qui défais mes valises, maintenant? Non, mais là, ça, c'est de ma faute, monsieur Antoine, parce que hier, j'étais débordée et mademoiselle Lola a gentiment proposé de m'aider. Oui. D'ailleurs, j'ai eu des surprises. Mais dis-moi, papa, si tu avais décidé d'être sage, pourquoi tu as eu besoin d'emmener ça avec toi? Parce que je ne prends jamais l'avion sans ça. Ah, parce que dans l'avion aussi, tu... Mais non, enfin, Martin, il ne s'agit pas de ça. Voilà, c'est... Je m'en sers pour mettre mes stylos. Oh. Ah, pour mettre vos stylos. Oui, 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 non, mais vous comprenez, c'est à cause de la pressurisation dans l'avion. Alors, mes stylos fuient et bah, alors je les mets dedans, voilà. Ah, oui. Non, mais si, je vais vous expliquer. Je mets mes stylos dedans, je fais un nœud au bout et comme ça, le tour est joué. Problème. Ah oui, oui. Très astucieux. Ah oui. Je n'ai jamais entendu parler de ça. Mais dites-moi, il fuit aussi dans le train, vos stylos? Non, pourquoi? Parce que la semaine dernière, vous êtes allé à Marseille en train et il y en avait aussi dans votre valise. Oui, 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 c'est vrai. Mais non, vous comprenez, c'est le train, il y a les scousses, hein, les scousses. Bon, alors je préfère être prudent, quoi. De toute façon, stylo ou pas stylo, je préfère que tu les utilises quand même. Eh ben, vous avez raison. Moi aussi, mademoiselle Lola. Oui, mais non, mais je vous assure que c'est pour mettre mes stylos, ça, hein, c'est tout. Eh ben, finalement, ça me déçoit. Tu sais, Antoine, au début, j'étais un peu choquée, mais finalement, tu as bien raison de prendre des précautions. Il a plus que raison, c'est indispensable. Tout à fait. Moi-même, je vais demander à Monsieur Albert de m'en mettre deux ou trois boîtes de côté. On ne sait jamais. Ah, ben vous avez raison, tiens. Moi aussi. Non, ne bougez pas, j'y vais. J'y vais. Tiens, c'est bon Aristide. Regardez qui est là. Quelle bonne surprise. Entrez, mon vieux, entrez. Bonjour, Monsieur Garnier. Oh, j'espère que je suis pas trop en retard. Ben, vous seriez arrivé une minute plus tôt, ça m'aurait arrangé, pour tout vous dire. Pourquoi? Oh, pour rien. Entrez, entrez. Bonjour, madame. Bonjour. Bonjour, madame Eugénie. Bonjour, Aristide. Bonjour, Lola. Salut, Harry. Je peux? Allez-y, je vous en prie. Ah! Ah, ben, qu'est-ce que c'est que ça? Rien. Ah, ben, si. Non, rien. Beurré. Salut, tout le monde. Bonjour. Salut. Bonjour. Alors, ma poupée, tu as essayé le fard de paupières que je t'ai donné? Ouais. Ah, c'est pour ça, les lunettes. Tu fais une allergie. Bah, comment tu sais ça, toi? On m'en a offert à moi aussi.
Jeanne Coucou, je t'ai déjà dit que ces produits sont pour les tatouages, pas pour le maquillage. C'est dommage, la couleur est si jolie. Dites donc, vous dormez ensemble tous les trois, c'est pas possible. Vous descendez toujours en même temps. Non, pas vraiment. D'ailleurs, j'ai pas dormi, moi j'ai un problème. Allons bon. Grave? Hélas, oui, mon bébé d'amour. Qu'est-ce qui vous arrive, monsieur Johnny? Il m'en a expliqué. Et il m'a coupé l'appétit. Ah ouais? Eh ben, on dirait pas. Parce que je pointe sur moi, Antoine. Je pointe sur moi. Mon pauvre chéri. C'est quoi ton problème? On nous a fichu à la porte de notre local. C'est pas vrai. Monsieur Johnny, mais c'est une catastrophe, ça. Alors, comment vous allez faire pour répéter avec les chiens chauds? Ben, je sais pas. Maintenant, on est à la rue. Ben, pourquoi on t'a mis à la porte? À cause du monde moderne. Il remplace la décharge où on était par une usine de traitement de déchets, alors, voilà. Oh là là, mais qu'est-ce que vous allez faire? Ben, c'est simple, il faut qu'on trouve un autre local. Et ça va pas être facile. Ils sont bizarres, ces chewing-gums. Mais je... c'est pas des chewing-gums, ah. Ah bon? C'est ça que je me disais aussi. J'ai pris un tout à l'heure. Il avait un drôle de goût. Enfin, si je trouve pas de local, je pourrais toujours m'installer ici. Hein. Ici? Hein? Ah non. Il faut que vous trouviez un local, hein. C'est vraiment très, très, très important, hein. Et il faut même que vous le trouviez rapidement, hein. Eh ben, ça me fait plaisir que tu me comprennes, beau papa. Salut les garçons. Ah, Lola. Salut. Bonjour Lola. Salut. Vous venez, on va faire un bowling? On vient de décider d'aller au cinéma. Au cinéma? Ben oui, si tu veux, tu viens avec nous. Hein. Bon, on y va? Ouais. On y va? Alors, qu'est-ce que tu fais, Lola? Tu viens avec nous? Non, j'ai pas le temps, j'ai des courses à faire. Ah, bon, ben ok, alors à plus, hein. Bonjour, monsieur Émile. Bonjour, mademoiselle Lola. Vous allez bien? Oui. Je peux avoir un jus d'orange, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Henri, vous voulez servir un jus d'orange à mademoiselle? Excusez-moi, mademoiselle Lola, je dois partir. J'ai rendez-vous avec madame Marthe, vous comprenez? Oui, je comprends. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Marie, Lola, tu es seule? Non, les autres vont arriver. Faut venir faire un bowling? Non, tu es gentille, mais je vais faire des courses. Ah, et puis j'espère qu'elle va acheter plein de choses, comme ça je pourrai porter plein de paquets. On est juste passé voir si ce n'était pas là que j'avais laissé la liste de mes courses. Bah si, regarde, tiens, elle est là, sur le bar. Ah, super. Bon, bah plus Lola, hein. Yes, I love you too. Yes, kisses. I love you. Parlez anglais maintenant, monsieur Antoine? Oui, c'était avec un confrère. Mais tu files un mauvais coton, Antoine. Tu dis I love you à un confrère maintenant? Tu étais là? Ah, mais je ne t'avais pas entendu. Non, ce n'était pas avec un confrère. Ah non? C'était qui? C'était avec Anne, voilà, c'était avec Anne. Ah, parce que vous parlez anglais avec mademoiselle Anne, maintenant? Oui, quand je l'appelle à son journal, nous parlons en anglais, comme ça, eh bien, ses collègues ne comprennent pas notre conversation. Tu me rassures. Ah, tiens, mademoiselle Anne. Bonjour, Eugénie. Bonjour. Bonjour, mon chéri. Tante Marthe. Bonjour, ma petite Anne. Vous avez fait vite. Vite? Pourquoi? Pour revenir de votre bureau. Oui. Bon. Viens, je t'attendais. Dans mon bureau. Voilà. Dites-moi, Jenny,
Qu'est-ce qu'on parle en Norvège? Eh bien, le norvégien, tante Marthe. C'est son problème, après tout, hein. Rana, mais qu'est-ce qu'il fait? Vous attendez quelqu'un? Oui, ce fou d'Émile, il m'emmène à la foire du trône. En plein milieu de la journée? Oui, il laisse sa cafette pour moi, c'est beau, non? Ah oui, ça c'est très très beau, vraiment. Et monsieur Albert? Oh non, ça c'est pas du tout mon type d'homme. Nous avons eu des mots. J'ai trouvé un cheveu brun, long de 28 cm sur son veston. Vous voyez ce que je veux dire? Vous êtes sûre qu'il était brun? Certaine. Vous et moi, nous sommes blondes. Alors, vous avez tout compris. Bonjour, mademoiselle Eugénie. Bonjour. Je viens pour... Oui, elle est là. Eh bien, mon cher Émile, en général, ce sont les dames qui font attendre les messieurs. Excusez-moi, Marthe. Oh, vous êtes éblouissante. Flatteur. Eh bien, dépêchez-vous, parce que vous allez être en retard. Vous avez raison, Eugénie. Vous venez, Émile? Oui, j'arrive, Marthe. Au revoir, mademoiselle Eugénie. Adieu, monsieur Émile. Évidemment, elle n'a rien à faire de ses journées, ta pauvre femme. Faire du manège, à son âge. Je suis un peu en retard. Ah, Pauline. Ça va? Ça me fait plaisir de te voir. Moi aussi. Eh ben, assieds-toi. Non, j'ai pas le temps. Je suis juste passée t'embrasser. J'ai rendez-vous avec Duval, le chef de cabine de mon père. J'ai un petit service à lui demander pour Johnny. Quel service? Oh, un truc pour son local, je t'expliquerai. Bon, j'y vais, hein. Au revoir. Ah là là, t'es encore toute seule? Bah oui. Oh. Tu veux faire un bowling? Non, merci, je n'ai plus envie. Ah bah ok, hein. A plus. C'est moi. Tiens, Lola, tu es là? Bonjour, papa. Bah alors, tu n'es pas avec tes copains? Non, j'ai préféré passer un petit moment avec vous. Ah oui, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu avec ton reportage en Norvège. Ah bah oui, bah c'est vrai ça. Bon, bah allez, à tout à l'heure. Hein. Tu ne restes pas, tu t'en vas? Ah bah oui, bah moi il faut que je file au journal et puis Anne a une interview. À tout à l'heure, ma chérie. À tout à l'heure. Au revoir, Lola. Salut Eugénie. Oh, c'est Lola. Vous m'avez fait peur, j'ai failli faire déborder mon rimmel. Bah, qu'est-ce que tu fais, tu sais? Non, c'est-à-dire que je dois passer au supermarché. Maquillée et habillée comme ça? Ah bah oui, bah, vous savez, mademoiselle Lola, c'est pas parce qu'on va au supermarché qu'il faut se négliger. Ne bouge pas Eugénie, j'y vais. Non, 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 mademoiselle Lola, non. Monsieur Albert? Mademoiselle Lola, je viens chercher mademoiselle Eugénie. Oui. Je suis là, monsieur Albert. Mademoiselle Eugénie, ça, c'est très gentil à vous de m'avoir appelé. Ça me fait très plaisir que vous pensiez à moi. Vous allez au supermarché comme ça? Eh oui. Oui, c'est-à-dire, oui, au supermarché du plaisir. Et j'emmène mademoiselle Eugénie à la foire du trône. Qu'est-ce qu'on va rigoler? Oui. Bon, ben, amusez-vous bien. À tout à l'heure, mademoiselle Lola. Vous ne m'en voulez pas? Non, Eugénie.
Allez, amusez-vous bien. Ça, vous pouvez compter sur nous. On va s'éclater. Je vous en prie. Merci. Passez. Allô, Jean-François? Ah, il a déménagé. Merci, au revoir. Allô, oui, bonjour. Pourrais-je parler à Sébastien, s'il vous plaît? Ah. Votre mari n'est pas là. Non, non, pas de message. Merci. Excusez-moi de vous avoir dérangé. Au revoir. Non, mais c'est pas vrai. Marié, déménagé. C'est qui, celui-là? Thierry Pinceau. Complètement oublié. Oh, on va bien voir. Allô, oui, bonjour. Pourrais-je parler à Thierry Pinceau, s'il vous plaît? De la part de qui? De la part de Lola Garnier. Oui, oui, Lola Garnier. Ah, vous vous souvenez de moi, Madame Pinceau? Oui, j'avais des nattes. Ah, votre mari est à la retraite. Oui, c'était mon professeur de piano. Oui, oui, j'ai fait des progrès, oui, oui, oui. Oui, ben, ça m'aurait fait très plaisir de lui parler aussi, mais là, je... J'ai du lait sur le feu. Oui, c'est ça, je le rappellerai. Oui, Madame Pinceau. C'est ça, au revoir. Merci, au revoir. Oh, mais il est pourri, ce carnet. Il est complètement pourri. Martin. Bof. Après tout, il me fera passer le temps, celui-là. Évidemment, il n'a pas changé, jamais là quand on a besoin de lui. Ah, enfin quelqu'un. Oh, super, papa, t'as réussi à te libérer? Ah non, 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 j'ai juste oublié ça. Allez, à ce soir, ma chérie. J'ai pas le temps, je suis juste venu chercher un papier et j'y retourne. Papa, si vous voulez, je peux vous accompagner pour visiter le local. Oui, non, mais un autre jour, parce que Jane Coucou va porter ce papier à Pauline pour Duval. Et moi, je vais aller voir mon oncle pour qu'il achète l'immeuble. Allez, allez, allez. Ah oui, non, mais c'est vrai, hein, c'est fatigant. Cinéma, bowling... Je l'ai toujours dit, c'est un enfer, la vie d'étudiant. Mais heureusement qu'on a quelques compensations. Ah, et qu'est-ce que tu veux dire? Ça. Oh, Marie! Ah, oh, tu es tellement belle! Ah bah tiens, j'en parlais justement avec Diane Coucou. Merci, Aristide, mais tu es sûr que tout ça ne te gêne pas? Bah non, pourquoi? Mais je sais pas, enfin, je veux dire, tu n'es pas jaloux? Oh, Marie, mais pour être jaloux, il faudrait que je sois digne de toi. Non, je suis heureux. Ah, si tu savais, je n'ai jamais été si heureux. Et puis, c'est tellement gentil de ta part de me laisser t'approcher, de te regarder comme ça.
Tu me trouves vraiment belle à ce point? Oh, Marie, encore plus belle! Et c'est comme ça que mon capitaine m'a nommé lieutenant. Voilà! Mais je parle. Et vous, parlez-moi de vous, mademoiselle Eugénie. Oh, ben vous savez, moi... Remarquez, c'était à prévoir, hein, que je sois un bon militaire. Donc, je vous ai raconté, quand j'étais scout, eh bien là, déjà, je m'étais... je m'étais distingué. Écoutez, c'est bien simple. Mon nom de totem, c'était Marmotte Glorieuse. C'est vous dire, hein? Oh, la mère, c'est merveilleux. N'est-ce pas? Quel délicieux après-midi! Tous ces manèges! Oh, ça vous fait tourner la tête! C'est enivrant! Oh, et ce cadeau si délicat! Une pomme d'amour! C'est tellement peu de choses pour vous dire tout ce que je ressens, ma chère Marthe. Émile. Oh. Et toutes ces pipes que je tire à la poire! Pam, pam! Ça fait bien 15 ans que je ne m'étais pas autant amusée. Grâce à vous. C'est vrai que vous êtes une fine gâchette, ma chère Marthe. Merci. Il y a bien eu ce jeune homme que j'ai failli éborgner, mais enfin, ça n'a pas été grave, heureusement. Hein. C'était de sa faute, remarquez. Il n'avait qu'à pas prendre ses pipes, alors que moi, j'avais pas fini ma série de tirs. Enfin, heureusement, c'était qu'une égratignure. Oui. Pauline, t'as été géniale. Ça, c'est vrai. Sans toi, on était fichu. Oh, vous savez, c'est rien. Ça a pris 3 minutes et un coup de fil à Duval pour obtenir cette autorisation d'ouverture de votre local. Comme quoi, ça sert toujours d'avoir une fille de ministre dans ses relations. Et comment tu as convaincu le Duval? Je lui ai juste demandé. Vous savez, il a tellement peur que je dise du mal de lui à papa qu'il est prêt à tout pour mon service. Eh ben, t'es là, mon bébé d'amour. Oh, mais tu es seule, Lola? Oh, ma pauvre Lola. On t'a laissé tomber. Tu restais toute seule. T'as dû t'ennuyer. Non, non, ça va. C'est vrai, parce qu'on n'avait pas réalisé, on était tous là, même ton père. Mais oui, et nous, et Eugénie. Et nous? Non, je vous dis que ça va, d'ailleurs, j'avais rendez-vous. Excusez-moi, je n'ai pas le temps. Bonjour. Je suis désolée, je suis en retard, mais... j'avais tellement de choses à faire. Je vous en supplie, ne dites rien. Faites comme si on se connaissait, c'est une question de vie ou de mort.